Nous étions venus à l'évaluation à mi-parcours comme planifié, parce que ce gouvernement est un gouvernement de refondation qui veut faire les choses différemment. Et pour le réussir, il faut que des objectifs soient fixés dès au départ et que ces objectifs soient suivis jusqu'en fin de période et évalués pour savoir si ces objectifs ont été atteints ou pas. Et qu'on voie quels sont les lieux à améliorer avant l'évaluation finale. Donc c'est cet exercice que nous avons fait à mi-parcours pour voir est-ce que nous avançons correctement dans la ligne des objectifs planifiés ou est-ce que ça n'avance pas en certains endroits et qu'est-ce qui pourrait être fait. Nous avons ressorti un taux d'exécution de 78% à date. Nous avons, comme nous sommes le ministère qui mobilise les ressources que l'État doit utiliser, nous avons présenté au niveau de la mobilisation des ressources un taux de réalisation de 90% de l'objectif de la période et de 45% de l'objectif total jusqu'en fin de l'année, en fin d'année. Ceci a permis de voir en fait qu'est-ce que nous sommes en train de faire au jour le jour pour réaliser les missions qui nous avons été confiées. Et un autre aspect sur lequel nous avons particulièrement insisté, c'est le fait que par rapport aux instructions du président de la transition, du président de la République, par rapport aux instructions du Premier ministre et par rapport aux instructions du Conseil des ministres, nous sommes à un taux d'exécution de 100%. Bien sûr, il y a des objectifs qui s'étalent dans le temps. Nous devons faire l'inventaire parce que nous sommes le ministère aussi qui veille sur le bien mobilier de l'État. Nous devons faire l'inventaire de ces biens mobiliers de l'État. Mais tout comptable sait que les inventaires ont lieu en fin de période, c'est-à-dire dans le dernier mois de l'année. Nous avons donc un taux de réalisation là-bas inférieur à 100% parce que c'est lié au fait que le processus est en cours, l'accomplissement total ne va se réaliser qu'en fin de période. Donc nous sortons avec l'espoir que nous avons pu mettre la lumière sur notre travail, sur les résultats de notre travail et que nous avons réussi à faire la démonstration que nous sommes en ligne avec les missions qui nous ont été confiées et les objectifs que nous devrons atteindre.